Ça va les gars? Ouais. Oh, il blague pas lui. On va tout en full black. Petit sac à dos comme moi, point 65. Oh lolo. Ah ouais, là, ouais. Il a la moto, le style, il y a tout pour lui. Là. Oh mais y a un truc féfé là ou quoi là? Encore une pista bleue. Oh là 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 là. Il doit y avoir quand même un truc à Paris parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de supercars. Oh là 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 là. C'est magnifiquement magnifique. On commence par un petit classe G des familles. Hein ? Ça c'est propre. C'est quoi ? Une Triumph, ok. Ça c'est aussi très propre. Oh là là, la Rolls. Oh là 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 là. Une pista. Frérot. Oh là là, ça c'est du tuning ça. Ça j'aime. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, voilà. Ça vaut vraiment le coup de faire demi-tour hein, parfois. Hein. Salut les amis! Me voici arrivé à la Maison Mécanique à Argenteuil. On a quelque chose à vous faire gagner d'exceptionnel. Une belle journée. Donc c'est parti pour les explications. Amis motards, nous organisons une brocante moto le dimanche 13 juin ici à la Maison Mécanique. Donc c'est l'occasion pour vous de vendre vos vêtements et accessoires moto dont vous souhaitez vous séparer. Sur place, vous trouverez de quoi vous restaurer, un petit barbecue. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Pour l'occasion, nous organisons un jeu concours pour gagner ce magnifique SV, refait à neuf par nos soins. Pour participer et tenter de gagner cette moto, c'est très simple. Vous pouvez acheter vos tickets ici à la Maison Mécanique. Un ticket, c'est une chance de gagner. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. C'est 10 euros le ticket. Et à chaque ticket acheté, 1 euro reversé à l'association Badass Panda pour aider les enfants défavorisés. Donc, n'hésitez pas, foncez, venez acheter vos tickets et que le meilleur gagne. Oh! Alors je réitère ma demande, si vous avez un tonton, un papa, un ami, une amie, une tante, une cousine qui possède ce Scootbit BMW, j'aimerais fort l'essayer depuis tant d'années. Ce bonheur de rouler caréné au-dessus de la tête et sans casque, ça doit être un pur bonheur. Sachant que quand il n'y a pas la malle arrière, c'est une place arrière, donc ouais, toi, t'es comme ça, là, comme sur un cheval. S'il freine trop fort, tu te prends le plexiglas. Bon, en tout cas, ça me ferait kiffer de les essayer, ces trucs-là. Alors, monsieur Seb, qu'est-ce que vous pensez de ma katana? Elle est magnifique, vraiment, de toute beauté. J'ai envie de dire ce noir et ce rouge et lui donne des couleurs. Quel suceur, il vient de me dire que Suzuki c'était trop. Ouais, c'est vrai. Bon, les autocollants et katana quoi. Moi je vais mettre Chris RS. Oh, j'ai des hein ça freine pas. C'est vrai. Par contre la gauche elle a rien, elle est magnifique. Tu veux me la policher? Non, mais c'est quoi, moi si tu me la prêtais, je ne la servirai jamais. Même si elle est fermée. Mmh.
Johnny. Bonjour. Ouais. Ici? Merde. Ah. Bonjour. Ouais, je sais, je roulais trop vite. Tu as votre permis tout de suite? Oh, je pense pas qu'on en soit là, mais... 110 pour 50, je crois que c'est 110? Ouais. Entre les deux feux, là? Ouais. Oh, je vous aurais... Je suis à 110, donc 110. Si vous me dites 110, c'est que... Plus vous allez, plus vous accélérez, donc. Non, mais si vous me dites 110, c'est que c'est 110, mais bon, j'aurais peut-être cru moins, en tout cas moins. C'est filmé, de toute façon. C'est filmé, tout à fait. Excellent. Sur votre compteur, et puis vous allez voir, ouais, je sais. Ouais, non, mais je peux rien vous dire d'autre. Permis. 110. C'est un véhicule de prêt, ouais. De Suzuki France. Du coup, vous faites plaisir avec? Même pas, là, c'est... Non, pas plus. C'est arrivé de loin, hein. Je suis derrière vous au feu, je suis arrêté comme vous. Je suis arrêté au feu, vous ne voyez pas entre les deux scooters. Ah non, je vous voyais, non, je crois justement, c'est pour ça, à ma gauche, je chantais une oppression, je croyais que c'était le scooter. Ah ouais. Mais c'est pas pour ça que j'ai accéléré ou pas. Hein. Moi, je voulais voir jusqu'à quelle vitesse vous y allez, quoi. Oui, non, bah vous faites votre boulot, je sais bien. Tenez. Pourtant, c'est pas très coupleux, donc on prend un... Bah bon, ouais, d'abord, c'est une moto, ça va vite. Pas vous. C'est une moto, ça va vite, je vais pas vous dire que je roulais pas vite, etc. Ce serait... Et comme moi, vous en voyez tous les jours. Il y a un bon air, il n'y a pas de radar. Bah, je sais bien. Moi, je connais un peu le. Mais il peut y avoir des collègues au radar et tu vas vous chercher. Ici? Bon, c'est pas pour ça que je roule vite, mais il n'y a jamais de radar. Là, moi, vitesse compteur à moi. Oui, non, mais je sais, là. À 110. Oui, je peux rendre mon permis, là, je sais bien. Là, votre permis, il faut dire au revoir. Ouais, je sais. On s'y approche bientôt avec le 30 dans Paris qu'elle veut nous mettre la mairesse. Pas de commentaire. Et vous êtes pas à deux pour contrôler quand c'est comme ça? Il est au coin de la rue là, il doit contrôler un T-Max à l'air, on est sur un T-Max. Ouais, ça aussi c'est le problème, on a tout le temps envie d'accélérer avec un T-Max. Bon les gars, j'ai 12 points. Nani? Hop, merci. Bon bah, bonne fin de journée. Ah, il a été vite là, il a vu le scoot beat. Ah ouais. Ah ouais, direct. Bon, on va dire qu'on a plus de chance, nous motards. Hein, on va dire ça. Bon les gars. Ici, je vais... Ouais, non, mais... Pff, voilà. Des fois, je suis à 50, des fois... Mais je regarderai quand même le 110, quoi. Ça me paraît... Ça me paraît bizarre. 110... Oh shit, oh shit. Donc ça, c'est le T-Max. Ok, donc ça veut dire... que le scoot beat qu'il a pris en chasse... Après une amende, on va mourir. Après une amende. Après une... un contrôle.
Le jour où ils nous collent des radars sur, sur leur véhicule, on est dans la merde. En tout cas, je suis content parce que généralement, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, coupez votre caméra, baissez votre caméra, etc. » Là, bah, il m'a rien dit. Donc ça, c'est assez sympa de sa part. Regardez les amis. Regardez-moi ça si c'est pas beau pour aller au Castellet essayer la nouvelle Hayabusa. Combi Revit. Votre moto est prête, monsieur. Oh. Là, par contre, mes cuisses sont trop grosses et. Vous poussez, hein. Je sens que vous avez besoin d'aide pour sortir des stands. On va faire le tour de la route. Aïe. À la communication, hein, ça a bien changé. Et j'ai posé le slider. Celle-là, ouais. Ah, j'étais... Attends.